Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transportiver. Alors aujourd'hui on va continuer à livrer des briques. Parce que j'ai vu une ville qui en avait besoin. C'est une ville par ici. Alors il y a Gif sur Yvette, j'avais pas vu. Gif sur Yvette qui a besoin de 512. Ok. Intéressant. Normalement on devrait pouvoir la desservir. Notre usine à nous, elle est... Putain, je l'ai déjà perdu. Là, ah, des fois, je suis... C'est pas possible. Tout à l'heure, je l'avais vu et là, je l'ai perdu. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait... Punaise, j'ai trouvé une ville qui en avait besoin. Mais je l'ai perdu. Voilà. C'est... Ah non, voilà, si elle est là. Elle est là, la ville. Et donc, nous, il faut qu'on desserve Roubaix. Vous voyez, il y a Roubaix qui a besoin. Roubaix qui a besoin de 163. Donc, dans l'idée... Ce que je m'étais dit, c'est qu'on fera un train qui partirait là. Là, on a notre raccordement. On est tout bon. Il manque juste un raccordement là. Là, on avait commencé à préparer le truc ici. Donc, on va faire. Donc, on va mettre des voies électrifiées en 1500 volts. On va mettre un peu plus de vitesse quand même. On va mettre du 120 km/h. Ce sera très bien. Voilà, on raccorde, voie 85, c'est bien. Ça fait le taf. Ok. Et donc par contre, la ligne qui est là, elle, elle est électrifiée en 25 000. Donc il y a deux choix. Soit je fais un raccordement thermique. Soit je fais un raccordement thermique, soit je fais... Alors j'ai bien envie de faire un raccordement électrique, mais du coup ce qui va se passer c'est qu'on va faire une courbe comme ça. Et c'est juste que le raccordement dans l'autre sens ça sera pas possible. Aller par là ça sera pas possible. Sauf... Ah non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On pourra pas raccorder dans l'autre sens. On verra, on cherchera peut-être une solution s'il y a besoin. Mais dans un premier temps, on va raccorder comme ça. Par contre, il est où le raccordement? Il est là-bas, donc on a encore... Bah, le raccordement, il est là, donc faut faire attention, faut pas aller trop loin non plus. Donc on reste un peu à distance pour avoir la zone 1500 volts. Et là, le 1500 volts, on va l'arrêter là, je pense. Et donc on pourra mettre du train électrique, sauf que bah, faudra mettre absolument du train bicourant. Et donc on passe en 25 000 volts. On va aller au plus loin possible. À 110. On vient se coller à la ligne. Ici. Ah mais je suis con en fait, dans tous les cas je mettrai un thermique. Ah bah oui non mais je suis con. Dans tous les cas faut que je foute un thermique parce que la ligne là elle est pas électrifiée. Dans tous les cas ce sera thermique. Ouais bah c'est pas grave, on va quand même électrifier. Pas grave, on va quand même électrifier ce raccordement. Ça fera juste du mazout sous caténaire, c'est pour rigoler. Ah merde, j'ai mis mauvais côté. Hop.
Ok, nickel. Et on vient raccorder du coup lui ici. Boum. Non, c'est là-dedans. Signalisation. On va mettre un carré à gauche. Donc, on va mettre du... Oh non, on va mettre du sud. Allez, on va mettre du sud. Ok. On va mettre un signal là avant le passage de la... Le passage sous, 1500 et là un passage avant le 25000. Et du coup maintenant on va mettre point de cheminement. Je crois que c'est dans point de cheminement les... Voilà, c'est là. Donc, signal à distance BC Panto. On va mettre l'autre par ici. Le BC Panto. Alors le 1500 volts il est là. Le BC Panto on va le mettre là. Et par là on va le mettre là. Le relevé Panto 1500 volts on va le mettre là. Et le relevé Panto 25000 on va le mettre ici. Et la pancarte rêve, on va la mettre par là. Et par là. Ok. Nickel, donc là on a notre raccordement. Il faut juste que je mette encore de la signalisation ici. Ok. Et donc là on est bon. On a notre raccordement. Donc on peut aller desservir la ville de Roubaix. Donc on va mettre une nouvelle voie. Rail. Euh, 90, ça sera suffisant. Est-ce que je l'électrifie? Oui, moi je l'électrifie, tiens. Donc c'est du 1500 volts. Ah, on a les nouvelles voies 25000 là. Elles sont sympas, celles-là aussi. Enfin, j'en mets une. Parce qu'elles sont sympas, elles sont jolies, j'aime bien. Là, je vais mettre de la voie en. Je vais pas mettre de la voie en ogive. Je vais mettre de la voie enfin, avec de la caténaire un peu plus classique. Comme ça. Vu qu'il n'y aura qu'une voie. Ok. Et donc on va aller dans quai de type FR. Quai FR. Et là on a notre quai de fret. Ok. Et du coup, bâtiment marchandises, on va mettre celui-là. Ok. Où est-ce qu'il faut amener les marchandises dans cette ville? Où est-ce qu'il faut amener les briques? Ici. La gare, elle dessert quoi actuellement, là? Si je prends... Ouais, il y a une grosse partie qui n'est pas desservie, donc on va quand même mettre... On va mettre un là, et un là. Ok. Et donc il faut mettre un petit... Mince, j'ai trop tourné. Ok. On va essayer de mettre 30 mètres si possible. Oui, on peut. Configurer. Alors que là, on perd de l'argent. Mais bah faut attendre que ça revienne. Hein. Ça va revenir. Ah, on peut pas beaucoup agrandir, hein, par contre. Bah, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. De toute façon, je pense que je vais faire deux lignes. Donc, une ligne. Au départ d'ici, on va aller desservir...
celle-là. Donc ça c'est C brique. C brique Roubaix. Ah punaise. C brique Roubaix. Roubaix c'est comme ça. 1. Et donc nouvelle ligne. Départ d'ici. Sur l'autre voie du coup. Ici et ici. C'est brique Roubaix 2. Roubaix et 2. Ok. En vrai j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, on va voir combien ça va amener. Je pense que ça devrait le faire quand même. Et donc rail. On a dit en 1500 volts. On va mettre à 90 et on va se raccorder ici. Ça fait un raccordement à 60, c'est pas très grave. On va raccorder assez sec pour pas casser les ogives là. Et donc là c'est bon. Signalisation. J'en mets un là. Et un là. Ça fera le taf. Nickel. Ça je peux fermer. Est-ce qu'on a des camions dans le coin? Est-ce qu'on a un dépôt de camions dans le coin ou pas? Oui, là. Acheter véhicule. Marchandises. On va mettre des e-trucks qui sont très bien. On va en acheter 3 pour chaque. Oh non, 3 pour la ligne jaune, la brique 2. Et acheter véhicule, 2 pour la brique 1. Non, pas 23, 2. Roubaix 1, ok. On peut être le genre un peu plus rapide pour essayer de voir si on gagne de l'argent. Ok, et donc là on peut acheter un train. On peut faire notre ligne déjà, parce que la ligne n'est pas faite. Nouvelle ligne. Donc départ d'ici, on va prendre le... On va changer de couleur parce qu'on n'y voit rien. Je vais prendre du rouge, comme ça. Et on va aller... Ouais, quai numéro 2, c'est bien. Quai numéro 2, et on vient à Roubaix. Donc ici. Alors le rouge finalement c'est pas bon. Rose. Et donc ça c'est brique Roubaix. Attendez, je vais regarder déjà ici. Brique Roubaix. Et je vais regarder si la ligne passe au bon endroit parce que j'ai un gros doute là. Oh non, le jeu a planté. Ah, attendez, je crois que le jeu a planté. Je vais peut-être attendre qu'il se relance, qu'il se remette bien. Ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, donc je... Qui tourne juste comme ça, ça peut arriver. Et ça peut revenir. Ça peut revenir à la normale comme ça peut totalement planter et ça finit quoi. Bon, vous savez quoi, je vais attendre qu'ils reviennent et je reviens. Bon, bah c'est un vrai plantage. J'ai été obligé de relancer le jeu. Heureusement, il y avait une save auto qui a fait que j'ai pas perdu grand chose. Donc ça c'est cool. Donc j'ai refait les lignes et tout, il n'y a pas de soucis. Et donc on va pouvoir acheter notre train. On va pouvoir acheter notre train. Diesel. On va mettre... Est-ce que je ne remettrais pas une Eurodual vu qu'on a quand même une zone électrifiée? Ah si, on peut mettre une Eurodual. Une Eurodual. Alors on avait mis une Captrain avant, on va mettre une... Une comme ça? Allez, une comme ça c'est très bien.
Et du coup, marchandises. Marchandises. On doit transporter des briques. Donc ça, c'est pas trop mal. Sinon, il y a ça. Très bien. Ah, ça, 45. Ah ouais, bon, on prend ça. Ah, et du coup, peut-être que le Roduel est un petit peu overcheat. Non, on va pas mettre une Roduel. On va mettre une locomotive diesel, tant pis, on va faire que du diesel sous caténaire. Et non, je vais pas mettre une lignasse. Non, quand même pas. Non, mais. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas trop quoi mettre. Ah, une classe 77 VFLI. Pourquoi pas, j'aime bien les VFLI. J'aime bien VFLI, donc même si ça n'existe plus maintenant. Est-ce qu'on a autre chose? Sont 12 000. Ah oui, la 67 514 avec sa porte jaune. Ah, ça peut être rigolo. Vas-y, ça peut être rigolo en vrai. 315 de capacité, on peut même le diminuer un petit peu pour que ce soit un peu plus supportable. 225 de capacité, vas-y, on fait ça. Oh là, la 26 000 buzz l'éclair. Sympa, sympa. Et du coup, on envoie sur Brick Roubaix. Ok. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour en cabine? Allez, vas-y, c'est parti. Oui, c'est vrai que je fais un tour en cabine quasiment à chaque épisode, mais j'adore les tours en cabine. Et ça permet de voir aussi, du coup, si c'est fluide ou pas, si on a, si on a beaucoup de trafic ou pas, peut-être ajouter des trains et tout. Enfin, c'est sympathique, quoi. Alors, bah, y a la 75 000 qui nous passe devant. 75 000 Linéas. C'est quoi Linéas? Sont 15 000 avec toutes ces pierres. Et c'est parti. C'est parti, on prend la grande courbe. Ah, il y a un train qui va nous passer devant. Ou alors il y a un train devant nous. Il y a plutôt un train devant nous parce que là. Ah bah il y a une 112 000 qui arrive. On reconnaît le bruit et surtout on reconnaît le nuage de fumée au-dessus quoi. Et alors, on peut y aller. Et on croise à 75 000 Linéas en rose. Un peu le raccordement de la voie unique. Ah, les villes, elles sont quand même mastoc. Hein. Quand tu vois tous les... Non, c'est pas possible de faire des villages sur ce jeu, ça tombe vite en... Ça part vite avec des gros immeubles et tout, quoi. Ça qui est un peu dommage, c'est que vraiment, vous voyez très vite, en fait, les villes, vous avez très vite des immeubles, quoi. On a très vite des immeubles, quoi. Et voilà, on est à 120, parfait, on est bien. Test maximum du train. On croise la troisième 75 000 Linéas. La toute noire. Elle est trop belle. Elle est trop belle aussi cette livrée. Sans les livrées Linéas sont jolies. En vrai, les livrées Linéas sont jolies. Hop, on prend le raccordement qu'on avait déjà vu du coup. Mais là, ce que moi je voulais voir surtout, c'était le raccordement suivant. Et voir si ça prend du temps. Parce que c'est vrai qu'on fait quand même un beau détour pour y aller. Et je veux voir surtout si ça prend beaucoup de temps pour y aller ou pas quoi.
En vrai, ça a l'air d'aller. En vrai, ça a l'air d'aller. Les barrières qui sont fermées. On prend la courbe à petite vitesse, à 70 km/h. Et même maintenant à 60. Bon, les barrières qui se ferment quand tu passes, bon voilà. TPF quoi. Hop. Et donc là on prend vite la ligne, mais on va vite en ressortir. Puisque là on va prendre l'aiguille à droite. Donc nous là, à part le signal, s'il est fermé, sinon la signalisation ne nous concerne pas. Vu qu'on est en diesel. Si on était en électrique, on devrait baisser panto ici. J'ai pas mis les stations par contre. Je vais faire ça après. Un papier en carte rêve. Et là le raccordement du coup. Enfin la courbe à 58 km/h. Alors que là on a une CC6500. Et on va passer devant elle, j'ai l'impression. Ouais, on passe devant elle, ok. On passe devant la CC6500. Donc un fret devant un voyageur. Mais après, comme les trains s'arrêtent souvent sur les lignes, ça peut se faire. Ça peut se faire en vrai. Ah, alors par contre, on a un autre voyageur devant. Donc là, on est bloqué. Pas très longtemps, on repart. Oula, là il y a un. Ouais. Il y aura peut-être un truc à refaire ici, à remettre les voies à niveau. Parce que là ça fait un truc bizarre. Et normalement, la prochaine gare c'est Roubaix, je crois. En fait, on contourne juste la montagne qui est là, mais. Non, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Ah, c'est Ivoto. Je préfère limite. Je préfère, on sait jamais. Et voilà, on prend les aiguilles pour entrer sur la voie fret de Roubaix. Alors pour l'instant, on n'a rien à déposer, mais on va voir si... Et ça vient, par contre, je vais directement aller poser ce qu'il faut au niveau de la zone de changement de tension. Ouais, ça repart direct. Et donc on va aller, c'est ici. On va aller là-dedans, éléments, infra. Donc le 25 000 volts c'est ici. Et le 1500 volts c'est ici. Ok. Voilà. Comme ça on a tout qui est fait. Oh, par contre là ouais, c'est le bazar ici. Il y a des gros bouchons. Est-ce qu'on a... Pourtant oui c'est raccordé entre les deux là mais... Ouais, pourtant il y a bien des trains entre les deux villes, mais bon. Ça a pas l'air de très très bien. Ça a pas l'air de régler le problème de la circulation, quoi. Ça règle pas le problème de la circulation, malheureusement. Et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, il y a un endroit par là où faudra reposer un peu la voie. Ah, c'est là. On va juste mettre en pause. Voilà. Et là, on va du coup reposer la voie. C'est de la voie 1500 volts. À 130 km/h. Voilà.
Ok, nickel. Oui, c'était bien cette caténaire-là, d'ailleurs. J'avais pas regardé, mais oui, c'est bien celle-là. Et à partir de là, par contre, ça devient de la caténaire à ogive. Signalisation. Ah mince, là, c'est pas raccordé, par contre. Ok. Et donc, signalisation. De la sud, on va mettre de la sud. J'aime bien la sud avec les gros, avec les grosses cibles. Et voilà. Nickel. Alors qu'on a des nouveaux trains. Tout sympa. Des Xter. Non, des Z. Eh, c'est, ça recommence. Mes mémoires de poisson rouge. Mémoire de poisson rouge, j'ai encore oublié si c'était Z ou X. Du coup, je vais aller vacher. J'ai une mémoire de poisson rouge, hein, mais vraiment. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Donc, c'est électrique. Tiens, pourquoi je me plante toujours. Et en fait, c'est surtout, quand je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est surtout que c'est Z terre. Du coup. Surtout qu'en fait, j'ai pas confiance en moi. Donc, du coup, je. Dès que je commence à douter, c'est mort en fait. Dès que je commence à douter, c'est mort. Bon, là, ça a l'air de bien fonctionner. Parfait. Et on va voir du coup si l'usine va monter en niveau ou pas. C'est ça la question, c'est est-ce que l'usine monte en niveau ou pas, quoi. Donc là, on voit que ça, y a de quoi amener. Et on est au niveau 3 et on est presque en train d'arriver au niveau 4. Donc, on va être pas trop mal. On a 197 pierres. Là on a l'euro dual qui est arrivé avec 192 pierres. Bon elle remplit pas à fond mais c'est pas trop mal quand même. Donc c'est pas trop mal. C'est cool. Vrai de vrai je suis en train de me demander si on pourrait pas. Non je suis con, c'est la même ligne en fait, ça se raccorde au même endroit. J'allais dire sinon est-ce qu'on pourrait pas, vu qu'on a vu qu'il y avait des bouchons par là. Faire passer des trains de voyageurs là, mais en fait non, parce que c'est la même ligne en fait. Et puis il y a des trains entre les deux là en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même, mais. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire autrement là. Attends, là je vois qu'il y a beaucoup de marchandises en attente. 492 marchandises en attente. Ah bah oui, c'est le raccordement. Ah bah on peut, du coup on peut largement augmenter elle. 306. Alors soit je l'augmente, soit je mets un deuxième train. En vrai de vrai, parce que. Là 306, il va. Alors, ouais, dans le x2 ça marche pas. Le x3 ça marche pas. 306 ça va faire du bien, mais ça va vider un peu, mais bon. Est-ce qu'on a 400? Ah, il reste 190. Il reste 190. Bon, on peut aller en vrai de vrai, on peut aller de l'autre côté. Je vais juste faire une sauvegarde auto, parce que une sauvegarde, parce que j'ai très peur. Vu que je me déplace. Voilà. C'est où? C'est par là. Je sais que c'est par là. Quelque part par là. Voilà, elle est là. L'usine, elle est là. Bon, le jeu me fait encore des bizarreries. Hein. Il y a du pétrole brut qui part sur des lignes de pétrole raffiné. Bon, c'est TPF. Mais du coup. Pétrole raffiné, Boissy Saint-Léger, donc c'est pas celle-là. On va regarder dans les lignes. Laquelle c'est? Là, c'est une ligne. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une ligne de pétrole raffiné. Ah, pétrole raffiné à Avranches. Donc c'est cette ligne-là.
cette voie-là. On va prendre une log de type électrique. Locomotive électrique. Je vais mettre en pause parce que l'autre, elle est déjà en train d'arriver, donc on va faire attention. Et normalement, je crois que là-dedans... Non, non, je vais pas faire ce que vous croyez que je vais faire. Je suis totalement. Ah non, sinon, il y a 37 000, attendez. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est du tout ce que vous croyez. Ah non, j'ai pas dans les 37 000. Attendez. J'ai pas dans les 37 000. Il n'y en a pas. Non. Bah faut regarder dans les vectrons. Dans les tracks, je sais qu'il y en a une. Faut que je regarde dans les tracks. Nous, vous avez tous compris ce que. Là, c'était. Là, c'est une... pas bon. Vous avez tous compris ce que j'allais faire. Hein. Il n'y a pas à chercher. Oh, ou sinon, une. Normalement, c'est pas bon, mais. Attends, ah, mais non, ça, c'est une Vectron, ça. Je suis con. J'allais dire, c'est une... mais non, ça, c'est une Vectron. Je crois que c'est une Vectron. Un Vectron, en vrai, ça pourrait le faire. Mais. Non, j'ai une autre idée là, mais. Ah, Eurodual sinon en mode électrique. Parce que pour l'instant, j'ai mis des Eurodual en mode thermique, mais. Et non, là, j'ai plutôt une autre idée quoi, mais. Faut que je la retrouve. Voilà, c'est des Taurus. Ah, des Eurodual en... J'ai jamais vu ces livres-là. Ça, c'est des Taurus. Ça, pareil, c'est Taurus. Ça, c'est Taurus. Ça, c'est des Trax. Attends, quoi que... Ah, je sais pas. Ça, c'est de la Taurus. Taurus, Taurus. Ça, pareil, c'est de la... BR-182, c'est Taurus. BR-185, mais il n'y a que celle-là. Non. Mais oui, vous savez très bien ce que je veux faire, mais je la trouve pas. Pour l'instant, je la trouve pas. Mais j'en ai d'autres, des Traxonap. Alors là, c'est de la Vectron. Ce serait rigolo quand même qu'il y ait une Vectron. Ah, ça, c'est la Vectron qui est venue en France. Avec marqué en gros Vectron dessus et tout. Vectron. Ça se trouve, ouais, elle est dans les fakes parce que je suis pas sûr qu'ils en ont, en vrai, mais. Je pense même pas qu'ils en ont en vrai. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Voilà. Fake paint. Oui, mais c'est pas grave. C'est du fake, mais c'est pas grave. Attendez, j'arrête quand même parce que... Alors, Trax 2 fake. Voir s'il y en a. Pas, mais je crois que dans la vraie vie, ils en ont pas, donc c'est pour ça. Ah voilà, il y en a une autre là. Ah, il y en a encore une là. BR-186 Linéas. Colinas. Je suis un enfant. Attendez, je sais s'il n'y en a pas d'autres dans d'autres livrets, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, bon, c'est pas grave, on va prendre la Trax 2. C'était par là. Trax 2. Merde, je l'ai perdu. C'est par là, hein. Je sais que c'est par là. Ah voilà, c'est par là. On la voit en fond. Voilà. Je vois pas trop les différences entre les deux.
De toute façon, il y a celle-là. On va prendre celle-là. Et donc, du coup, marchandises. On va y mettre. On va y mettre du coup des wagons. Citerne. Ça, ça prend 20. Ouais, ça fait. 162 capacités, 180 de capacité. Ouais, 180 de capacité, ce sera très bien. Par contre, on est repassé moins bien financièrement, faut que je fasse attention. Et donc, c'est. Pétrole raffiné Avranche. Normalement. Ok, et c'est parti. Et voilà. Bon, en tout cas, on a 36 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, la commenter et la partager. Si vous êtes sûr pas venu à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pendant la toute prochaine vidéo. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf sur Nick dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.